Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Kézo? Votre ferme, située dans le village Fankoumé, arrondissement de Gakbé, commune de Ouida, vous livre ses trésors. Tomates fraîches, œufs, poulets bicyclettes, huile de palme, tout ce qu'il vous faut en volaille, fruits, légumes et agroalimentaires. Top, c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Kézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. La prostate est une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin. Elle est située sous la vessie en avant du rectum. Elle entoure le canal de l'urètre qui conduit l'urine de la vessie vers l'extérieur. Elle joue un rôle essentiel dans la fertilité et le plaisir sexuel des hommes. Mais elle peut aussi être le siège de différents troubles qui peuvent affecter la qualité de vie et la santé des hommes, comme l'hypertrophie bénigne de la prostate, la prostatite et le cancer de la prostate. Heureusement, il existe des moyens simples et naturels pour prendre soin de sa prostate et prévenir ou limiter ces troubles. Préserver sa prostate en ayant une activité sexuelle régulière. L'activité sexuelle est bénéfique pour la santé de la prostate car elle permet de stimuler la production et l'évacuation du liquide prostatique. Selon diverses études, l'activité sexuelle n'est pas seulement bonne pour la prostate, elle l'est aussi pour la santé générale et le bien-être des hommes. Elle favorise la circulation sanguine, la production d'hormones, le renforcement du système immunitaire, la réduction du stress, l'amélioration de l'humeur et de l'estime de soi et le renforcement du lien affectif avec le ou la partenaire. Garder une prostate en bonne santé en pratiquant une activité physique adaptée. L'exercice physique est indispensable pour la santé en général et pour la prostate en particulier. Il permet de maintenir un poids de forme, de prévenir le diabète, l'hypertension, le cholestérol et de renforcer les muscles du plancher pelvien qui soutiennent la prostate et la vessie. Privilégier la marche, la natation, le vélo ou le jogging qui sont des exercices d'endurance à pratiquer de manière modérée et régulière. En revanche, éviter les sports qui exercent une pression excessive sur la vessie ou la prostate. Préserver sa prostate en adoptant une alimentation équilibrée et variée. Une bonne alimentation est essentielle pour la prostate. Les nutriments bénéfiques sont les antioxydants, le sélénium, la vitamine E et les isoflavones. On les trouve dans les fruits et les légumes, surtout ceux de couleur vive. Les noix du Brésil, les fruits de mer, les champignons, les œufs, les graines de tournesol, les huiles végétales, les noix, les amandes, les graines de lin, l'avocat, le soja et ses dérivés. Ces nutriments protègent la prostate du stress oxydatif, de l'inflammation et de la prolifération cellulaire. Surtout, évitez de consommer les aliments riches en graisse, l'alcool et le tabac. Ils favorisent l'inflammation, le surpoids et le déséquilibre hormonal. Garder une prostate en bonne santé en gérant son stress et ses émotions. Le stress et les émotions ont une influence sur la santé de la prostate car ils peuvent perturber le système nerveux, le système immunitaire et le système hormonal. Les hommes souffrant de troubles de la prostate peuvent également ressentir de l'anxiété, de la dépression, de la colère ou de la honte, ce qui peut altérer leur qualité de vie, leur estime de soi, leur relation de couple. Il est donc important de gérer son stress et ses émotions en adoptant des stratégies adaptées. Parmi elles, on peut citer la relaxation, la méditation, la respiration, le yoga, le massage, qui sont des techniques qui permettent de se détendre, de se concentrer sur le moment présent et de réduire les tensions physiques et mentales. En cas de stress chronique ou de troubles psychologiques, il est conseillé de consulter un médecin qui pourra évaluer la situation et proposer un traitement adapté. Prendre soin de sa prostate implique aussi de consulter un médecin en cas de symptômes et de réaliser régulièrement un dépistage du cancer de la prostate, surtout après 50 ans. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos astuces et conseils santé.